Voilà, je parle avec mes mines serrées parce que actuellement, les agriculteurs n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins et à la famine. Il est monsieur Kouda Patrice, le président à l'organisation de leur association. Il est cultivateur, il est résident dans le village. Quels sont vos problèmes? Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans l'agriculture avec les paysans? Bonjour, les gens dans le bol va pour Bon, ça, je vais te dire que les gens sont venus pour les gens. Vous pouvez remarquer la tête des semences. Or, pourtant, il y a des années, si ça répondait bien, ça pourrait arriver jusqu'à ce niveau. Bon, on va passer. Ton bote à ton remitio. Yamne, yon, wa, me katikiwa, yon, indigre poa, sa yu, ton date, bumbu, poula, net, tout ça, sans yu, bimit, ton parment, et indigre. Ils continuent toujours de cultiver les semences que leurs parents utilisaient. Mais maintenant, ils désireraient utiliser les semences qui répondaient aux réalités actuelles. Voilà, ils n'ont plus. Ils n'utilisent même pas des engrais. Voilà, c'est leur cri de cœur. Quel est votre avis concernant la mise en place du projet? Monsieur le Président, alors, l'organisation vient de dire que son avis en ce qui concerne la réussite de la mise en place de ce projet, ils savent que par l'intermédiaire des bonnes volontés, par le soutien de la population, il pense que la réussite de ce projet allait couvrir beaucoup de besoins, tels que arriver à scolariser les enfants, arriver à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. On demande un appel, ce que je dis à tous les partenaires, à les associations qui sont en Europe, de nous aider pour combler cette déficit. Je vous remercie, monsieur le président de l'association. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous et merci beaucoup et d'avoir vu cette idée de venir envers nous pour connaître la vie de notre association. Voilà, on est unis, il y a l'union. C'est les parents de même famille, c'est les gens qui travaillent, c'est les gens qui ont accepté, mobilisé. Je te dis, c'est des gens qui savent que pour réussir dans la vie, il faut une union. Dès qu'il y a l'union, chacun maintenant, vous allez être capable de mettre quelque chose en place.